Oh la blague. On est bloqué dans le zoo. Hello et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais pas si t'as vu déjà la vidéo précédente, donc le premier jour de visite en Charente, on a visité un petit château. Je te mets le lien donc juste ici. Donc hier, petite poisse, enfin même deux petites poisses, mon Joby est tombé pendant que je prenais une photo. Donc là j'ai une belle petite fonte, je sais pas si tu la vois, c'est ici au niveau du filtre ND. Heureusement que c'est que le filtre et pas l'objectif. Tape le soleil en plein dans la gueule. Et le deuxième, c'est que j'ai commandé en fait avec Amazon des filtres ND pour mon Osmo Pocket, mais malheureusement c'est toujours pas arrivé. Les petits oiseaux qui chantent. Donc là cet après-midi, c'est qui lui? On se retrouve aujourd'hui au zoo de la Palmyre. Apparemment c'est le deuxième zoo le plus connu après celui de Beauval. On va à celui de Beauval, bah, je te le mets en lien juste ici pour aller checker ce que nous on a fait. Allez, c'est parti. On arrive dans l'enclos des léopards et attention, ça séduit les léopards. Ouh. Ah, regarde, il est en train de se laisser les babines. Il y a de la femelle. Il y a de la femelle. La femelle, elle est là. Oh là là. Ah, et là, la deuxième. Oh, c'est pas un ragondin. Mais il est gros celui-là. On a ça à Bussy, mais en 3 fois plus petit. C'est un poteau. On peut y ensemble. On peut y ensemble. Oui, hein. Oui, il est mon pote. Psst. Oh, ça schlingue. Ouais. Oh, ça pue. Hein. Psst. Oh là, t'es en train de chier. À chaque fois qu'on arrive, il est en train de chier. Bon, voilà, on arrive dans l'enclos des singes. Donc, faut rester assez calme et pas leur donner à manger, là, bien évidemment. Allez, c'est parti pour les monkey monkeys. L'enclos des singes, bah, il n'y avait pas de singes. Ils se sont enfuis. Ah ouais, ils sont barrés. La planète des singes. La planète des singes. Bon, on continue la suite de la visite. Il y a les couilles bleues, mon pote. Oh, il est bon manteau, lui.
Sac, mon pote. Et ouais. Je t'ai grillé. Franchement, s'il y en a un qui saute, il y arrivera. Hein. C'est vraiment pas haut. Hein. Ah, les zèbres. Oh, les salauds. Ils les mettent en face des zèbres. Ah oui, il leur donne faim. Ça sent le zèbre. Honnêtement, j'ai pas trop confiance là ici parce que là, t'as des guépards. Pour moi, c'est des. Le guépard, c'est très sportif, tu vois ce que je veux dire. Et là, t'en as un là juste ici là derrière moi. Je sais pas si tu peux le voir. Juste là. Franchement, pour moi, il saute. Parce que là-bas, t'as une baie vitrée. Mais c'est pas assez grand en fait. Pour moi, un guépard, ça fait un saut de ouf. Déjà, toi, sur une pointe de quelques secondes, il peut dépasser les 95 km/h. Donc pour moi, il doit être assez balèze pour sauter de la petite barrière. T'as un coup à casser les jambes. Ouais, mais comme on n'est pas beaucoup, elle se sent en. Oh, oula, oula, lui il est venu direct. Elle a quelque chose, les copains. Elle a quelque chose. Mais je cherche pas. Elle a quelque chose à manger, les copines. Voilà, elle était dans la merde. Alors, bah, c'est pas moi, hein. Moi j'ai tout ça. En tout cas, il a mangé. Ah, elle est en train de te becter le pull, elle, derrière. Mais non. Allez, dead. On te raquette, dead. Dead. Je me sens un peu... Un peu suivi, la bergère. Ah, la blague, on est bloqué dans le zoo, il y a personne pour nous ouvrir, on a perdu Florian et là moi je suis en train d'essayer de chercher quelqu'un pour pouvoir sortir de ce zoo parce que ils ont été tellement intelligents qu'ils ont fermé même la grille pour sortir, donc c'est un peu la merde. Bon bah sur ce, hein, abonne-toi à ma chaîne, lâche-moi un petit pouce, ça me ferait extrêmement plaisir et n'oublie pas, on se verra les gars à la prochaine, salut, ciao.